Je reviens à l'entrée, d'accord? Juste pour être sûr. Ah! Pardon! Pardon! Eh bien salut à toutes et à tous Lame Company, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 6ème épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. Très content de vous retrouver les amis. Alors j'avais prévu, souvenez-vous, parce que dans le dernier épisode on a fait quand même pas mal de choses. On a pu trouver le grappin, on s'est fait d'ailleurs des nouvelles compétences absolument légendaires, complètement folles. Et j'avais prévu qu'on retourne à notre camp, à notre village, parce que bah voilà, on va pouvoir parler à Karouche, on va pouvoir parler à Woga, c'est déjà pas mal. Également secourir le vénérable, la légende du mammouth. Mais en fait je me suis rendu compte qu'actuellement nous sommes ici, d'accord, donc dans une zone de tapir et de serre. Bon là ici on a une mise à mort, mais en fait on est juste à côté de la Jaima, la chasseresse. Qu'on doit également ramener à notre village. C'est la dernière de disponible pour le moment à ramener dans notre village. Donc en vrai on est juste à côté, autant y aller. Ici en plus on a un lieu unique à explorer. Ici également c'est sur le chemin, allons-y gaiement. N'oubliez pas évidemment le pouce bleu, ça fait plaisir. Et en avant Guingamp, tout simplement, pour cette nouvelle aventure. Voilà, et là-bas il y a également du people, mais on s'en fout. Ah bah si, parce que c'est par là qu'on va aller. Allez, c'est par ici messieurs dames. Donc ce sont bel et bien des vilains. Alors je vois trois points rouges en bas à gauche, ce qui signifie qu'il y a une meute. Ah, on connaît bien maintenant, hein, d'avoir une belle meute. En effet, ça va être un petit peu compliqué. C'est bon, c'est pas grave, ils partent par là-bas. On va pouvoir les suivre tranquillement. On n'oublie pas, parce que ça va être compliqué, mais on a le grappin encore une fois, je le rappelle, et ça c'est génial. Surtout ça va nous permettre de nous sortir de certaines situations peut-être. Donc ça fait globalement plaisir. Comment ça? Que se passe-t-il? Ouh là 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 là, il y a du jaguar en folie là. Il y a du jaguar en folie. On va essayer de commencer cet épisode de manière paisible et de se frayer un chemin discret. C'est toujours plus sympa. J'espère que... Il a eu peur, ça c'est bien. Il a eu peur, il était tout seul, c'est parfait. C'est parfait, il a eu peur. Ah. Allez vas-y, venez voir. Venez voir papa. Venez voir, ah ils ont peur hein. Vous savez que maintenant je maîtrise hein. Oui parce que dans le dernier épisode j'étais un peu aigri. On va pas se mentir, c'était un épisode incroyable mais j'étais aigri. Là, faites gaffe, je suis un champion. Voilà je vous le dis, actuellement je suis un champion. Allez on arrive sur le lieu. On arrive sur le lieu. Je me prépare à mettre un sale coup parce que je sens qu'on va me sauter dessus là. Attendez, une feuille rouge là. Ça en prend évidemment, ça régale. Ça régale, waouh. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Très jolie. Alors, sente d'Aiwa sinueuse. Avec évidemment des jaguars. Oh, il y a une feuille mauve là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enflammé gourdin bien sûr. Là. Une feuille mauve. Violette, pardon. Au top ça. Au top. J'ai des collègues qui ont besoin d'aide, j'ai l'impression. Hop. Dommage. Attaque. Hop là, pas le temps d'attaquer. Bon alors mon gars. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, on a exploré ici. On a un feu de camp sur le chemin mais on s'en fout, on va là. C'est un petit peu plus haut. On va checker, on va les laisser se débrouiller hein. Au bout d'un moment on est quand même voilà, on est tous des survivants. S'ils sont tous en vie c'est qu'ils ont su survivre, s'accommoder. Donc voilà quoi. Oh. Hey, t'es qui toi? Ah t'es... Pardon. Pardon. Bah ouais mais t'allais m'attaquer. What? Il s'est passé quoi là? Ok, elle a volé. Elle a littéralement volé. Ah, je lui ai fait du sale, hein. Ah, je lui ai fait du sale, hein. Ah, c'est des balances. Tu vas rien dire du tout, toi. En fait, c'est des balances. C'est-à-dire qu'ils vont pas m'attaquer, mais ils vont me balancer. D'accord. J'ai compris.
D'où l'intérêt de les buter. Oh, c'est super chouette ici. Hop. Salut mec. Ça va? Hop. Voilà, tu te tais. Pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Je parle pas trop parce que... Voilà. Ça c'est fait. En fait, j'arrive pas à savoir qui est gentil, qui est méchant. Oh. Oh. Hop. D'accord, non, je pensais pas que... Je pensais pas que j'allais les fumer comme ça en réalité. Bon bah y'a personne à secourir, je crois qu'ils sont tous morts ici malheureusement. Allez, on va aller sur mon lieu avant de d'aller chez la chasseresse. Enfin je sais plus si c'est une chasseresse ou pas. Hop, le petit sanglier. Paf. Voilà, on se fait tous les animaux bien sûr. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Attaque. Oh, il a eu peur. Voilà. Il est finito. Par contre, il y a du people là. Il y a du people. T'as vu ça? Donne-moi ça là. Ah, je peux pas. Oh là. Attends, il se passe trop. Eh, il se passe trop de choses. Ah ouais. Attaque. Le hibou. C'est l'heure de... C'est l'heure. Hop. Tac. Voilà, c'est beau ça. C'est bien mon loup. Et alors lui mon gars, regardez bien, ça va aller très très vite. Hop. Voilà, allez. Et là du coup je l'ai fouillé en direct grâce à une compétence. Et j'ai même gagné un point de compétence. Wesh. Oh le bâtard. Tu fais quoi là? Tu arrêtes tes bêtises. Tu arrêtes tes bêtises, c'est dangereux ce que tu fais, tu sais. Tu le sais ça? C'est dangereux le poison, on joue pas avec ça hein. On joue pas avec ça. Bref, voilà le petit point de compétence. Quand j'exécute maintenant ça fouille en direct. Ça c'est plutôt pas mal. Alors il y a du sang ici. Camp de la sagaie solitaire. Ok. Bien sympa. Et pourquoi ça prend pas feu ici là? Alors que moi dès que je viens avec un peu de braise, il y a tout qui prend feu, c'est dingue. Bon mais ce sont des petits lieux hein. Rien à voir d'incroyable. Mais toujours aussi joli évidemment à explorer. C'est plutôt sympa. Et là on a même un grappin visible. Ouais voilà, ici c'était sûr. C'était sûr. Hop là. Voilà, on casse tout, c'est incroyable. Voilà, ceci est fait. Et bien maintenant on n'a plus qu'à aller voir Jaima la chasseresse, qui est juste en haut. Donc on va pouvoir y aller tranquillement, sans aucun problème. Bon. En tout cas voilà, une bonne semaine maintenant que le let's play a démarré. C'est le 6ème épisode. Et... Ah pardon, c'est un gentil. C'est un gentil. Attention quand même hein. Pas de mauvais gestes. Ce serait pas mal. Mais voilà, c'est le 6ème épisode et on se régale toujours autant. Et ça c'est top hein. Allez viens mon bébé. Viens mon bébé. Regardez-moi cette vue là, c'est magnifique. Oh là là. Alors, 1, 2. Ils sont que 2, j'aimerais bien faire un truc stylé. Allez, on va faire un truc stylé du coup. Vous êtes prêtes? Hop. On enchaîne. Allez, voilà. Ça, c'est fait. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu, j'adore Far Cry, je suis fan. Je suis un bon Yankli, Ubisoft, pétez-moi le fiac. Ça, c'est fait. Et c'est parti. Apa! Tawinja. Nuta Yuanka. Schlauta.
magisch bei der Mama vorbei. Du hast das Schwalim, Harsar Kamas. Schittau Gatta. Dua sashwalim sam harsi. Hars hafchu waidam, kwati salka daicham. Majish washta mama fadi. Ku kwati salka daish. Aish has waidata. Tushi guash. Oh, tu sens la belle récompense qui nous attend derrière. Si je réussis mon coup, je risque d'être très 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 furtif. Pisté l'ours. Ok, mais attends, mais moi j'étais curieux de voir ce qu'il y avait là, moi. Ah ok, oh, j'ai tant pis, j'ai pas le droit. Oh, on a le droit de rien faire, c'est incroyable. Quelle belle liberté que nous avons. Allez, on va pister l'ours. Pas de problème. C'est par ici les amis. On va le fumer l'ours. On s'est tellement fait soulever par des ours, maintenant j'ai l'habitude. Ok, des chèvres. Rien de bien folichon. Ok. Ça se passe ici. Ok, il y a du miel. Bon, l'ours va nous tomber dessus. Hein. Ours à faim. Ouais, l'ours va nous tomber dessus. Non, il a continué. Ok. Eh bien, on va continuer alors. Il n'y a pas de problème, mon ami. Il n'y a pas de problème. On y va. On s'élance. Glissade. Ok. Oh là là. Ça, c'est pas un ours. Oh, ça, par contre, c'est dangereux. Hop, je ramasse les seins. J'adore les seins. Vous aussi, vous aimez les seins? Bon. Chiant. Voilà, c'était pour lui faire peur. C'est par là. C'est par ici. Pas du tout. Là-bas, c'est là-bas. C'est par ici. Ok. Ok, c'est bien par là. Génie que je suis, je vais passer par là, messieurs dames. Parce que, à mon avis, je connais Far Cry. S'ils nous ont fait un accès ici, c'est parce qu'il doit y avoir une alternative à cette histoire. Et regardez bien, l'alternative... Et eh bien l'alternative de rien du tout. Ah, quoique ça nous évite de passer à côté de ces animaux enragés. Ok. Ah yes. Allez, bute-le. Fume-le. Ok. Reviens. C'est pas grave. Ouais, c'est bon, il a trouvé une autre proie lui. Il a trouvé notre proie. Gros nul. S'attaque à plus faible. Ok. C'est par en bas. Ah. Là, ça a l'air d'être très sérieux par ici. Ça a l'air d'être très sérieux. Très angoissant, hein, ces ambiances. Hein. Ces sons d'ambiance sont quand même abusés. Hein. En fait, j'allais vous faire un... une remarque au début du let's play, j'allais vous dire, n'empêche, sur ce Far Cry Primal, il n'y a pas trop de musique. Ce qui est trop cool. Mais au final, je me rends compte que là, il y en a beaucoup. Peut-être même beaucoup trop. Oh là là. Reste discret surtout. Reste discret. Ok. On a un jaguar évidemment. Il a eu peur, c'est bon, très bien. T'as mon ours, il fait. Enfin, mon ours, mon loup, il fait peur. Hein. Il fait peur à tout le monde. Hein. Bon, il est où ce putain d'ours là?
Ok. Bon bah ça continue par là, pas de problème à ce niveau là. Ok. On va traverser toute la map. Oh! Dégage! C'est bien, te laisse pas faire. Montre-lui, c'est qui le chef? Ok, le sang continue là-bas. Hein. C'est le ça. C'est le J, c'est le S. Hop. On ramasse tout sur le chemin, hein. Autant en profiter, les gars. Oh merde! Ah, ça, c'est pas top. C'est ça, ouais, dégage. Je sais pas où t'es, mais dégage. Oh là là. Ok. Ok. Donc, je présume. Je présume que là, c'est la merde. Ah, ça continue par là. Très bien. Tu veux manger ? Tiens. Mange. Ok, par là-bas. Ok, ici. On va y arriver, on va y arriver. On est en train de faire toute la map, c'est incroyable. Si on regarde tout le chemin qu'on a fait, j'ose même pas ouvrir la carte. J'ose même pas ouvrir la carte. Ça, il y en a dans la zone en tout cas. Ici. On y est. Ok. Grotte de la forte mâchoire. Pas de problème à ce niveau là. Ah bah il est là, voilà, c'est bon, cherche pas. Alors attends. Tac 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 tac. Couteau de pierre, couteau capala. Les couteaux de pierre c'est les meilleurs du coup hein. Essaim d'abeille, oh c'est trop bien. Bombe à piquant. Attendez. Couteau de pierre ou couteau. Ouais, couteau de pierre c'est ce qu'on a découvert dans le dernier épisode hein. Gourdin de main, pourquoi je m'en suis fait deux? Je suis bête? Bon bref. Alors, déjà on va être malin. Regardez, on va envoyer le hibou, d'accord? On va envoyer le hibou faire une première attaque. D'accord? Regardez bien, ça va aller très vite. On peut pas? MDR. Ah MDR, on peut pas? Le hibou il peut pas? Attendez. C'est une plaisanterie. Compétence, le hibou il est où? Chouette, vision de chasseur, d'accord. Largage d'armes, attaque 2. Peut désormais tuer les redoutables ennemis d'élite. Ah ouais, je peux que tuer les... Ah, je peux pas tuer les animaux avec. Mince. Zut de flûte. Oh bah c'est pas top ça. Oh là. Attaque. Allez, on y va. Ah ouais. Aïe. Ah il s'est fait fumer. Arrête. Il y a aucune issue. Est-ce qu'il va dans l'eau ou pas? Est-ce qu'il va dans l'eau ou pas? Suspense. Il va pas dans l'eau. Ah gros nul. Tu vas faire quoi? Il va pas dans l'eau. Et voilà. Allez, ça dégage la racaille. T'en dis quoi de ça? Par contre j'ai tout enflammé encore une fois. On va essayer de sauver le frérot. Parce que le pauvre il a pris cher. Voilà. Trouver les chasseurs. Que j'en sais où ils sont moi. Par contre il y a une belle belle grotte ici. Très stylé ça. Très 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 stylé. Ouh, one man mama fadi. Diguar cham cham sha dapmas. Schlangwiguan dapmas. Bah elle est sérieuse là. J'avais mal à chasser sa jean à votre village. Ah j'en veux pas de toi, dégage en fait. Sérieux quoi. Elle s'est pris pour qui là? C'est une vraie crâneuse. Qu'avons-nous là? Ok, population 34, c'est bon ça. L'équipe s'agrandit quoi, j'ai envie de te dire. L'équipe s'agrandit.
Si on regarde où on est, ah oui bah c'est ça, on est, ah oui d'accord, oh là c'est quoi ça, lieu inconnu, ouh là là c'est beau ça, c'est à dire qu'on était là, voilà on était là, parce que j'aimerais bien explorer cette grotte, et on a fait tout ça, jusque là, c'est déjà pas mal. Aider les Wenja, il y a les Wenjo derrière, ok, grotte, et là il y a des grottes à explorer de partout, il y a des bûchers partout, il y a un bûcher là aussi, j'aimerais bien le faire parce qu'il est au milieu du Nil, c'est mignon. Allez, on y va. On va se faire ça et après on ira au village. Je pense, chaque chose en son temps. Que si on commence à se précipiter dans tous les sens, ça va être compliqué. Hop. Ça ne sert à rien à chaque fois de récupérer les trésors. Je suis full manifestement. T'es où? T'es où mon gars? Attends. Ah tiens, je vais vous faire une folie moi là. Il est là-haut. Oh, il a récupéré un cadavre. Ah bah il a fait tomber. Oh le nul. Bon allez, on va traverser à la nage. Faut pas regarder ce qu'il y a sous l'eau. Des piranhas. Bonjour. Ah ouais d'accord. Aïe. Aïe. Voilà. Je prends ça, t'es mort. T'es mort. Déjà t'es mort. Est-ce que je peux te dépecer? Poisson croc. Allez. Crocodile. Allez. On y retourne. N'ayez pas peur de m'attaquer les poissons crocro là. Vous me faites pas peur. Oh c'est beau. Et franchement c'est magnifique hein. Tu sens que Far Cry 5 arrivait quand même rapidement derrière. Ah tu... Tu vois la transition Far Cry 4, Far Cry 5. C'est impressionnant. Allez. On va envoyer un hibou. Parce qu'à mon avis, on va avoir des belles petites surprises ici. Alors, une personne. Deux. Trois. Et on a même un otage à libérer. Quatre. Ah, regardez. On a une alarme. On a une alarme pour appeler les renforts. Ah c'est excellent. C'est excellent. Ah mais lui aussi. Ah eux aussi. Ah mince. D'accord. Mais concrètement si le hibou les attaque, ils vont pas appeler des renforts. Normalement. On va voir. Je peux te piquer ou... Pourquoi je peux pas le piquer? Ah je peux pas le piquer. Ah je peux pas les piquer parce que c'est des... C'est comme des VIP en fait. Ah mais ils sont super nombreux par contre. Alors attendez, je viens de comprendre. Du coup compétence, regardez. L'attaque en piqué peut désormais tuer les redoutables ennemis d'élite. Ah mais il faut 3 points de compétence, chose que je n'ai pas. Par contre j'ai débloqué précision grandement accrue pour les saguer. Marquage des ennemis. Ah bah ça je veux ça. Ce qui va me permettre de viser et de démarquer. Parce que là jusqu'à présent j'utilise le hibou donc... Ah c'est parfait. C'est parfait. Alors par contre mon petit guépard, tu vas te mettre là. Et tu vas y rester. Tu vas pas foutre en l'air mon opération, je te le dis. Oh c'est beau. Avant-poste du fleuve au Paiska. Ok. Bon on va vite réfléchir. On va se la faire en mode infiltre. Pas de problème à ce niveau là. Couteau de pierre. Impec. Est-ce que vous êtes prêts pour le spectacle? Ça risque d'être grandiose. C'est grandiose. Allez hein, c'est grandiose évidemment. Ce qui vient de se passer c'est un plaisir. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Yalla. Mais quoi? Non. J'y crois pas. Adieu. Aïe. Yamete Kunasai. Aïe. Ok ça va. Ça va. On rigole aussi là. Si on peut plus rigoler. Paf. Paf. Allez. Paf. Attaque. Oh bâtard. Oh bâtard. Oh bâtard.
Oh, ils font mal, hein. Hop. Hop. Aïe. Hop. Oh, elle est belle, celle-là. Oh, elle est belle. Ok. Ok, bougez pas. Bougez pas. Paf. Oh là là là, sagaie. Magnifique. Elle est sagaie, y'a rien de mieux en vrai. Hop, j'en profite, hein, on fait un peu de cueillette. Hein. Voilà, je récupère ma sagaie. Voilà, ça c'est fait. Voilà, je panique. Ah, alors attends. Attends, toi déjà relève-toi. Voilà. Hop. Merci. Il en reste plus qu'un. Attention. À la one again. Oh là. Paf. Ah ouais, carrément, elle passe à travers la roche. Incroyable. Le deuxième avant-poste. Voilà, j'essaye de vous proposer du gameplay un peu différent. Je pense que c'est quand même plus intéressant que de faire un peu la victime. J'ai adoré ce moment, voilà, j'ai adoré, j'ai envie d'enchaîner un avant-poste. Je vous le dis là, j'ai envie d'enchaîner un avant-poste. Mais attends, c'est Avatar ou quoi là? Eh, on dirait pas le gars là qui a fait les JO, la cérémonie là? À poil là. Incroyable. Hop. Je casse tout, hein, bien sûr. Eh ben c'est fait, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est top. Attendez, y'avait pas un gars à libérer en vrai? Eh bien, il a dû se libérer tout seul. Il a dû se libérer tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les enfants, là? Quoi? Un problème? Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Regarde. Hop! Attends, bouge pas, bouge pas. Regarde, j'ai un secret. Je suis le maître des animaux. Je suis Tarak. Alors, regardez bien. Ça va aller très vite. Tu le vois? Tu le vois plus! Bam! Et voilà! C'est un peu plus calme, hein, d'un coup. Oh, par contre, ils sont des millions. Ah ouais, non, mais s'il y a des animaux aussi, on va pas s'en sortir. Hein. Paf! Paf! Voilà! Mais, hé, les schtroumpfs! Il va se calmer, hein! Ah, je vous le dis! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as? Oh non! Mais tu m'as fait mal! Mon propre loup! C'est pas grave, t'as pas fait exprès. Bon, bah voilà! Une bonne chose de faite, en plus la nuit tombe. Y'a quoi là-bas? On va où là? Ah, encore un feu de camp, encore de belles choses par ici, mais ce n'est pas l'objectif. On va retourner au village, les amis. Parce que là, on s'est tout simplement régalé. Je ne regrette absolument pas. Et d'ailleurs, maintenant, on va pouvoir même aller ici si on le veut. Puisqu'on a maintenant le grappin. Alors là, avant-poste, difficulté difficile. Moyenne. Facile. Moyenne. Difficile. Voilà, donc on a compris un peu le principe. Les extrêmes sont plus difficiles. Ah, c'est un petit peu comme tout, finalement. Village. Qu'est-ce qu'on a, village? Hutte, ah ça y est, je vais pouvoir améliorer la hutte de Tensei. Et bah écoutez, on va en profiter directement. Direction le village, les amis. N'oubliez pas le pouce bleu, j'espère que vous kiffez cet épisode. Évidemment, on se fait plaisir. J'espère que vous êtes bien installés également. Et que vous avez à boire et à manger. Voilà, vous êtes vraiment comme il le faut. Je sais plus ce que je suis censé faire, c'est quoi ça? Ça je peux pas, c'est la hutte de Saïla. Là c'est pour parler à la chasseresse. Mais là, la chasseresse, elle m'a saoulé. Là, ici, bah, je pense que je peux rien faire non plus. Ouais, voilà. Ah, bah, c'est la hutte de Tensei. C'est la hutte là-bas, en fait. C'est le chaman, me semble-t-il. Ah, là aussi, je peux parler en bas, là. Ah. Salut. Attends, 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 attends. Attends. Il se passe trop de choses, là, aussi. Comment je monte? Comment je monte? Le village est trop grand, maintenant. Avant, il n'y avait rien. Ah, il est dans le mal a priori.
Voilà, on va améliorer ça. Je sais qu'il est dans le mal, c'est pas le moment, mais c'est pas grave. On fait rien dans l'ordre, on adore. T'as vu, il va bien finalement. Bah, il a l'air d'aller bien. Ouais, c'est top. C'est top, ça régale. Bon, maintenant que ça c'est fait, on prend la récompense. Ah bah, il va bien, il va moins bien. Il va moins bien. Est-ce qu'on l'aide ou pas? Allez, on l'aide, direct. D'accord, on est ça, tiens. Surke, Iraqi Squan. Quoi ça, Udago? Sushelhai. Izzy. Winja Wantarwai Karsh. Hai. Hai Dram. Se Alia. Hinacha. Sushelhai Winja Twarsha. Karwiwa Bauka. Marti Bishwa. Si Shaius Lao Draguash. Ma Alia Praste Atti. Usushelhain Salgar Takar. Inasta Winja Lausha. Ça, on va pas se mentir que c'est quand même un peu plus calme hein, c'est un petit peu plus agréable hein. Ok. Bon bah il y a encore d'autres tribus au final. Les Wenja capturés. Alors ça se passe ici. Donc c'est la suite de c'est la suite de nos aventures tout simplement. On va du coup débloquer le reste des missions avec les autres dialogues, j'imagine. Bah déjà on va pouvoir faire la connaissance parce qu'on lui a pas encore parlé vraiment. À lui là. Ouais ouais. Winja Ah, tu veux que je te fasse une hutte, pas de problème. Je te fais ça à l'instant T même que tu me le demandes, même si tu m'as pissé dessus, je le rappelle. C'est carré ça, c'est beau. C'est beau ce qu'on est en train de construire les amis, c'est magnifique. Les prémices de l'histoire. Ça c'est fait, qu'est-ce que tu veux me dire encore? Smaika Mobaldamchi Tatista Nota Bals Nago Tatita Aida Shanti Bu Apakwam. Quar quar, schwada ta darfa ta qua. Aya, schwaldam darfam qua. Uga chunago. Why da ta? So, nag. Marjo da ha. Schwalda! Oh! Faran, parkon! Uraf nagut bauga. Ha, faran parkon schwada. Su. Ha, nawa kwarbi tati cham. Na kwarbi baluga snaguai. C'est sûr qu'avec ta griffe, tu risques de te faire un peu moins mal. Ah, je m'attendais pas à ça, j'avoue. Ah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ah bah ça a l'air d'aller mieux. Oh waouh. C'est adorable. Je peux encore l'améliorer ou pas en vrai? Non. Peau d'ours des cavernes. Oh là là. Argile du nord, caillou noir du nord, cèdre du nord. Oh. Ok. Bon là où le point d'interrogation c'est pour voyager hein. C'est pour boire le sang. La vision, souvenez-vous donc des vilains hein. On pourra faire ça évidemment quand on aura l'envie. Chose que je n'ai pas actuellement. On va aller parler à la chasseresse. Mamafpadi. Mamacita. T'as ça quoi, Mamafpadi? Tout a chassal kam. Nuharham. Kauhawaida. Tout a santa haskawantaris daicha. Oh bah j'espère que je peux te la faire. Oh non, il me faut des roseaux. Direct, il faut des roseaux parce que là on pourra faire les compétences. Les compétences. Il me faut des roseaux, les gars. Il me faut des roseaux. On va vite chercher les roseaux.
Ah mais peut-être que dans les cages de... Ouais bon ouais, vas-y la flemme. J'allais dire dans les cages des récompenses y'a peut-être. Rashta. Qu'est-ce que tu veux me dire toi? Tata mama vulai wasu marish. Udam hagwan. U mama vwajab rashta. U udam sazdarwa malsh nugwar pashka. Ok, nouvelle mission sur la carte. Voilà, comme ça au moins ça va nous permettre d'avancer bien plus facilement. Faut juste là qu'on cherche des roseaux. Pas de problème à ce niveau là. On va se grouiller, on va se choper les roseaux et on va avoir des nouveaux points de compétences, enfin des nouvelles compétences tout court à débloquer qui vont être absolument légendaires. Là, on a un premier roseau ici. Tac. Un deuxième roseau. C'est quoi ce bruit là? J'entends comme du tam-tam là. Ok, là il y a pas mal de roseaux qui nous attendent, c'est bon. Très très bon ici. Voilà. Bon là on est en zone vraiment safe, on a vraiment conquis cette zone là, c'est vraiment cool. Ah bah puis en plus ils sont heureux. Ah mais c'est vous qui faites de la musique. Ta Dinjansu. C'est bon ça, c'est du Rihanna, j'ai reconnu. Les prémices de Rihanna bien sûr, allez. Pas le temps pour vos conneries, moi je me TP hein. Oh, j'aurais clairement pu faire l'aller-retour, ça aurait revenu au même mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Et en vrai dans la cage des récompenses je suis sûr qu'il y avait des roseaux. Je me pète une barre hein, s'il y en a un. Feuille jaune du nord, mais non mais c'est incroyable tout ce qu'il y a. Il y avait des roseaux, voilà il y en avait 18 hein, si jamais. En fait ouais les caches des récompenses il y a des trucs de ouf dedans hein. Et on a un inventaire illimité si j'ai bien compris. Mais purée, regardez-moi ça. Alors attendez parce qu'en fait je pouvais me soigner de base en fait. Sans aucun problème avec tout ce que j'avais là. 3 barres de santé direct. Et en plus de ça regardez. Ça aurait restauré l'endurance. Donc ça on connaît, c'est le stimulant de vitesse. Et là regardez, camouflage olfactif. Ça me guérit de 2 barres de santé. Mais en plus les animaux ont plus de mal à vous détecter. 2 barres de santé. Et réduit les dégâts de feu de 30%. C'est incroyable. Et là on pourra débloquer le reste. Ça il faut que je retienne hein, parce que ça va nous changer la vie pour beaucoup de choses. En fonction des situations bien sûr. C'est pas de la musique ça, c'est du bruit je reconnais. C'est quoi ça? Ah ok. La viande. C'est bon ça. Allez, je vais m'occuper de ta petite hutte. Mais bien sûr Mama Favi. Et voilà le travail. Oh là là. Ah oui ça tu peux le dire. Là Sayla elle met un like hein, évidemment. Le mec qui force. Ok. Ça régale. Ça régale, je peux pas plus l'améliorer. On va aller la voir. 43 villageois, ça régale. One that have to fuck with us. Nayalia pachash pachados. Guardu fuck with Sashvaldas. Kuspa jaud wires. Ku. Ti fak mi kuspa dwaesh. Kwaida wana. Nam jana kwaida shwada. Ah, mama fadi. Un ti fak mi mantaris daesh. Kuspas. Barju hadji hada. Chau hisu chauda. Sa waida. Musi charu hinacha. Ah, parce que maintenant elle veut que je chasse la nuit et que je prenne le pouvoir d'un élan. La flemme un peu non? Moi je suis bien de jour 1. Mais arrête toi Mama Fadi. Mais elle se fout de ma gueule en plus. C'est un truc de ouf. Je t'ai construit une hutte et tu me parles encore comme un pied de mammouth. Vraiment là? Oh le cerf. Incroyable. Hop là je te le vole. Et ben les compétences, regardez on a 5 points de compétences. Et du coup on a débloqué compétences de chasse et compétences de confection. Et même des... Ah non mais là il y a trop de trucs là. Attendez il y a trop de trucs. Largage d'armes. Les bombes. Ok c'est pas prioritaire pour le moment en vrai. Et ça, piquer peut désormais tuer les redoutables ennemis d'élite. En vrai, c'est super important ça. Hein. 3 points de compétence. Aïe aïe aïe. Alors attends. Votre vision de chasseur fait désormais apparaître les sacs de ressources. C'est pas important, mais le problème c'est que ça va me débloquer. Confectionner 2 flèches au lieu d'une. Ouais. Vous subissez moins de dégâts en cas de chute. Marquage des animaux. Ah ouais. Vision de chasseur. Votre vision de chasseur fait désormais apparaître les plantes. Bon. Pas non plus incroyable. Exécution par abattage. Appuyez sur F pour exécuter les puissants chefs ennemis. Ah parce qu'on pouvait pas faire ça jusqu'à présent.
Approchez-vous d'un jeune mammouth et maintenez E pour monter sur son dos. En vrai, ça c'est incroyable. Hein. Précision grandement accrue. Ok, et là on a quoi? Ça on s'en fout. Ah là là! Ah là 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 là! Chut, on s'en fout. Ah mince, regardez. Guérissez plus une barre de santé. Déplacez-vous plus vite lorsque vous accroupissez. Les barres de santé incomplètes se régénèrent bien plus vite. Ah putain. C'est trop chaud les gars, je sais même pas quoi choisir, ça me saoule. Aïe 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 aïe. Voilà. Vous m'excuserez. Confection, ceinture de couteau de lancer. Ça c'est fait. Sac. Mais non. C'est pour transporter 50% de ressources d'armes et de nourriture en plus. Let's go. Qu'est-ce qu'on peut confectionner encore? Fronde. Vous n'avez pas encore obtenu la fronde. D'accord, c'est pour lancer des pierres. Un arc long. Ok, d'accord. Vêtements d'hiver. Ok. Bon bah c'est pas mal, il faut de la peau de loup. C'est plutôt pas mal tout ça. On avance, on a énormément de nouveautés et encore énormément de choses à faire. Hey, coucou la Pali. Tu m'as appelé pied de mammouth encore là? T'es sérieux, tu m'as appelé pied de mammouth toi? Hop, je te vole ton sac. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Pourquoi y'a... Pourquoi y'a mon interrogation là? Pourquoi? Parler à Manu. Manu? Ouais ouais c'est ça ouais. Manu? Bah il est où? Oh il est où le manouche? Y'a pas de Manu. Eh ben c'est pas grave. Bon maintenant on regarde la carte. On regarde la carte parce que du coup on s'est débloqué des nouvelles missions hein. Là-haut, Carouche le guerrier. Sauver un mammouth, monter sur son dos et piétiner les chasseurs Udam. Difficulté difficile. Là on est sur le niveau extrême hein. Regardez, c'est une zone très rouge. Là également c'est très difficile. Là c'est moyen. Alors suivez les lucioles et chassez le grand élan pour Jaima. Et pister les Wenja capturés par la tribu Isila. Donc on va commencer de bas en haut en réalité. Donc voilà, on va revenir par ici. Ah ouais, on voit les zones rouges et tout, c'est chaud en vrai hein, pour le moment. Donc on va redescendre ici. On va se faire le bûcher ici. On va descendre, se promener, voir un petit peu ce qu'on a là. Monter, se faire Tensai le chaman. Et voilà, on va faire au fur et à mesure. Ok, on va faire ça comme ça. Donc moi je suis chaud. On va faire le petit bûcher ici. On sait qu'on peut se TP. Ben, on va se TP là, mais c'est-à-dire qu'il faut traverser... Ah, il y a la grotte là. Ok, je me TP là. Je me TP là. Et on va fouiller la grotte, et ce sera vraiment pas mal. Déjà, ce sera vraiment pas mal. Puisque c'est là-bas qu'on a du coup rencontré la chasseresse, hein, qui nous a du coup demandé de chasser l'ours, souvenez-vous, au début de l'épisode. Et du coup, je n'ai pas pu rentrer dans la grotte, et j'avais vraiment envie d'y rentrer. Du coup, on va y aller. Forcément, on pourra pas compléter le jeu à 100%, mais j'aimerais bien pouvoir fouiller toutes les grottes en vrai, parce que je trouve ça vraiment chouette. Ok, c'est un gentil. Oh, pas touche. Pas touche, pas touche. Tenez le coup les gars. Ah mais si les ennemis s'en mêlent aussi Voilà. Oh non. Bon bah voilà. Oui mort si blessé. Je pète ma bière. Maloubeloule. Et tout ça en plus le jaguar est parti hein. Si jamais le jaguar est parti. À moins qu'il l'a tué, je pense pas. Attendez, il y a du sang là, tout ça il y a du sang. Ok. Est-il mort? Est-il mort? Je ne pense pas. On va le traquer hein. On va le traquer. Ça n'est pas parti bien loin. Mais il y a plus de sang. Attendez, assis là. Salut, tu m'as fait très peur. Ok. Eh bah il a des pop. Ah c'est franchement bien fait. C'est dommage hein parce que le système de track le système de track est vraiment cool mais oh regarde maintenant on peut les pinguer, c'est génial. Allez viens par là toi. Allez hein. Tu dégages. Et alors lui petit couteau. Non je vais le foirer.
Allez. Hop. J'en profite pour exécuter parce que en vrai, ça, comme dit, ça les fouille en direct, donc. Autant en profiter, j'adore. Allez chez Centracor, évidemment. Allez, alors la grotte est juste ici. Absolument. C'est pas du tout la grotte à laquelle je pensais. Oh purée de pommes de terre. Et ben voilà, il est mort, c'était lui. Ça devait être lui. Parce que je l'ai eu en one shot là. Alors du coup c'était pas là que j'imaginais. C'était pas cette grotte là en fait hein. Alors je comprends pas. Je sais pas c'est à quelle grotte que je voulais voir mais que j'ai pas vu. C'est le plus haut, bon je sais pas. Alors à mon avis il va se passer des dingueries. À mon avis, là où je vais, c'est les embrouilles. Oh là là. Ah ouais. Ok. Oh des hyènes. Allez hein, ça dégage. Ah yes. Le feu ça brûle hein, n'oubliez pas. Hop. Voilà. Hop. Et voilà le travail. Bon. Je fais genre que je suis serein mais je suis vraiment pas du tout à l'aise hein, évidemment. Oh, il y a des squelettes. Il y a des squelettes, c'est incroyable. Hop. Histoire qu'on voit un peu mieux. J'ai cru voir un cadavre également. Ici. Ah non, bah non, bah non. Bah c'est bon, ok. Ok. Ok, c'est pas fini. Je sais pas où c'est qu'on va, mais c'est incroyable. Ah ouais. Ah oui, c'est la tanière. C'est la tanière en fait. Peut apprivoiser cette bête. Ok. Ok. Oh non. Pourquoi t'es allé dans le feu toi? Alors attends, Appa. Hop. Voilà. Bah alors. Aucun animal n'est attiré, tu rigoles ou quoi? Apprivoiser. Tout doux. Tout doux l'astico. Let's go. Et voilà, t'es mon frère maintenant. Allez, ça dégage. Voilà. Oh. Argile bien sûr. Je viens d'apprivoiser un nouvel animal. Et ce qui est top du coup c'est que ça donne des points de compétence. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer l'exploration de la grotte. Ouais, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Oh, je l'ai dégommé lui. Je l'ai dégommé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, une main spéciale. Ok. Ça va mon gars? Hop. Pardon, c'est tellement cruel. Bah après c'est lui ou moi les gars. C'est lui ou moi. Ça aussi ça brûle. À mon avis c'est pas pour rien. Du coup, en effet, peinture rupestre. Let's go. 2 sur 22. C'est bon ça. Il y a encore la main d'Aïcha à trouver. Il y a encore la main d'Aïcha à trouver. Et elle devrait être là. Elle devrait être là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle devrait être là hein. Grotte 0 sur 1 pour la main d'Aïcha Boyd. Donc elle doit être là la main d'Aïcha là. What?
Elle serait au-dessus? Ah, attendez. Mais non, là je ressors. Non, elle est à l'intérieur. C'est quoi cette histoire? J'ai tout fouillé pourtant, alors attendez. On va tout refaire correctement. S'il n'y a pas un accès en hauteur. En plus, je récupère une saga, c'est cool ça. Que dalle. Là. On ne peut pas monter davantage. Regardez, il y a un trou, c'est bon, on peut monter. On peut monter là-haut. Vous sortez d'où les gars là? On peut monter. Il y a encore quelque chose. Ça va mec? Ok, faut qu'on monte ici. Faut qu'on monte ici. Et si vous voulez mon avis, c'est ici que j'ai rencontré la chasseresse. Voilà. Absolument. Donc c'est bel et bien ici. Puisque je voulais rentrer là. Voilà. Ok. Ah, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Hop. Là, ça va être derrière. Hop. Oh là là, les accès comme ça, j'adore. Oh, non, c'est gigantesque. Oh, on revient là. Non? C'était pas là qu'on était avant? Ah, j'ai un doute. Non, on n'était pas là avant. What? Non, je comprends plus rien là. Attendez, chaque chose en son temps. Là. Déjà, voilà, je valide. Je récupère la main d'Aïcha. Comme ça, c'est fait. La grotte a été explorée. On est tous contents. Voilà. Je viens de là, hein. D'accord? Là. Tac. Voilà, grotte terminée. Ouais, non, elle est pas terminée, mon gars. Je suis pas convaincu à 100% là. Ok. D'accord. Du coup, si je vais là, ça va où là? Ah oui, tout à fait, absolument. Ah, du coup, j'aurais pu monter par là en vrai. Ah non, ça a été fait pour pas. Ok, bah c'est trop stylé. Eh bah, je suis bien content. Je suis bien content d'avoir exploré cette grotte. J'adore explorer les grottes. Je voilà, c'est ma passion sur ce Far Cry Primal, sachez-le, je kiffe absolument ce qui se passe, c'est complètement dingue. Donc maintenant que ça c'est fait, il y a juste comme dit cette grotte parce qu'il y a une grotte que j'ai pas explorée. Bon, là où on l'a pas encore vue de toute façon, mais voilà, cette grotte là, celle-là on l'a pas encore explorée par contre. Et en vrai de vrai, bûcher garde de la nuit. Bon, on va faire dans l'ordre parce que ça va nous donner un TP. Ce serait dommage. Donc on va faire ça. Et ensuite, on pourra aller voir cette caverne là, cette grotte là. Ouais, ça peut être très sympa. Allez, on avance. Soyons malins, soyons logiques, hein, sinon on va faire des allers-retours pour rien. Du coup, voilà, je suis assez méthodique à ce niveau là. Je pense que des fois on perd assez de temps pour rien. Donc là, au moins, c'est assez clair et net. C'est plutôt top, hein, ça y est, je bégaye. Voilà, donc souvenez-vous, on était passé en bas hein, pour pister l'ours. Là maintenant, on passe par le dessus. Et on va surtout pouvoir explorer librement maintenant. Voilà, c'est cool. Cette zone de la map encore non visitée. Ah. Ouais, c'est ça, ouais. Hop, ça dégage. Ouais, alors tu vas rien faire contre lui, hein, si je peux me permettre. Oh non, mais il y en a deux. Aïe. Mais bagarrez-vous entre vous. Mais bagarrez-vous entre vous. Paf. Mort. Paf. Il se barre, c'est bon. Oh, c'est terrible. Terrible. Reviens. Il est mort. Il est pas mort. Il est mort. Voilà. Allez. Debout mon loulou. Puis toi toi je peux te dépecer, c'est bon, c'est fait. Des fois il n'y a pas les animations, c'est la magie Far Cry hein. Hop, la petite chèvre qui a rien demandé. On fait pas de gaspillage bien entendu. Donc on en profite. Allez, où est le soleil? Ok, pas qu'il se couche déjà, ce serait dommage. Alors, tuer tous les ennemis. Oh bah voilà. Voilà qu'on a une belle vue donc. Monsieur. Ah ouais, ils ont les cornes. Oups. Trompé de touche. Alors, ce sera plus simple comme ça. Voilà, on y voit un petit peu plus clair.
Donc là, vous avez vu, je peux pas les attaquer, eux. Lui, je peux, mais les autres, je peux pas. C'est embêtant, me diriez-vous. Sauf que, messieurs, dames, j'ai une surprise. Puisque j'ai 2 points de compétence. Ah mince, il m'en faut 3. J'ai trop le seum. Bon, bah ils sont que 3. Alors dans ce cas-là, je vais réappeler mon loup blanc. Qui sera, je pense, un peu plus quali. Visiblement, ils sont que 3. Donc s'il n'y a pas de renfort, ça le fait. Du coup, je vais piquer lui. Je vais lui demander, le loup, il va attaquer le mec qui alerte. Et moi, je m'occuperai de l'autre, c'est tout. C'est un travail d'équipe. Est-ce que vous êtes prêts pour le spectacle? Attaque! Bam! Et voilà. Et là, normalement... Voilà. Voilà. Et voilà. Normalement... Bon, normalement, ça le fait. Quoi? Oh le bâtard. Alors attends, parce que là il va falloir mourir. Donc ce qu'on va faire, on va prendre... Pardon. On va prendre une sagaie. Et là, paf. Dommage. Paf. Oh non. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, il est plus chaud que prévu. Il est plus chaud que prévu lui hein. Voilà. Oh bah bordel. C'était pas évident hein. Bon par contre ma technique était bonne. Je veux dire méthodologiquement l'ordre de... L'ordre pour les avoir fumés, c'était une très très bonne idée. Est-ce que je pourrais ramasser ce que j'ai jeté? Je sais pas où sont mes saguets. Ah c'est bon, je récupère les flèches là. Mais ouais, franchement je suis assez content. Hop là, voilà. Comme ça, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de renfort ou quoi. Donc franchement, ça régale. Voilà, quatrième bûcher revendiqué. Ce n'est pas un avant-poste, attention. Nuance. Mais au moins, on a un point de TP dans cette zone. Et ça, c'est rentable. Et ça, c'est malin. Et ça, c'est top. Voilà. Impeccable. Et donc là, maintenant qu'on a ce point de TP, ça va nous permettre de... Voilà, on a même une grotte ici. On a un point de TP là. Non, franchement, on est très très bien. Donc là, les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. On va se faire cette grotte là. Je vais me TP ici pour... Ouais, je vais me TP ici pour aller dans cette grotte là qu'on va explorer. Et comme ça, on va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode. C'est un petit peu bonus. On va quand même se reposer jusqu'à l'aube. Parce que là, j'avoue, j'ai un peu la flemme de me balader de nuit. Et comme je viens de gagner à l'instant T un point de compétence, je vais également en profiter, bien sûr, les amis, pour le hibou. La chouette, ce que vous voulez. Parce que ça va nous être grandement utile. Oh, le loup qui veille sur moi, c'est adorable. Tac. Voilà. Donc, du coup, compétence. Attaque 2. C'est parfait. Allez. Direction 200 pas. Et nous allons nous régaler pour une dernière exploration de grotte. Ce qui fait que toutes les grottes de la zone du début normalement auront été fouillées. Donc ça c'est vraiment top. Tu sens que les animaux se réveillent là. C'est le début de journée. Alors... Ah ouais, il y a des éléphants du coup là. Enfin, c'est pas des éléphants, c'est des mammouths mais... Oh dégagez-vous là. Oh, oh. Vous allez pas me saouler hein. Ok. Ah si, c'est des éléphants. Des éléphants ou des mammouths? Ah, c'est des mammouths. Oh, j'ai entendu un serpent. Alors, grotte de Chaillou. Comme d'hab, il va y avoir des... Des vilains dedans. Alors par contre, je n'ai plus de... Attendez. Si, gourde à deux mains, c'est bon. Bah oui, je peux en fabriquer de toute façon. Ok. Alors. Bonjour. Bon, je pense que ce sera rapide parce que c'est une des premières grottes donc je pense pas qu'elle soit très compliquée. On a un accès par là également, on a des belles peintures. C'est magnifique. Ce jeu me fascine en fait. Hein. Ce jeu me fascine. Alors on va aller par là. Voilà, ça va se passer derrière.
Grottes perdues. Les grottes perdues sont des labyrinthes naturels que vous trouverez dans toutes les terres d'Oros. Vous aurez besoin d'une source de lumière pour explorer ces grottes. Fouillez les grottes pour trouver des peintures uniques et d'autres objets. Mais le mec nous explique... Ça devait être la première grotte à explorer à mon avis. Hein. Peut-être pas forcément. Ah non, c'est des vrais labyrinthes. Ok. C'est des vrais labyrinthes. En fait, on va se perdre là. Chercher, quoi chercher? Je pensais pas qu'on allait finir cet épisode comme ça parce que là on va se perdre. C'est des vraies grottes là? Ah ouais, super. Moi j'adore me perdre en plus. Vous savez que c'est une vraie passion. Alors je peux pas monter par là. C'est déjà bon à savoir. Ok, donc moi je viens de là-haut. Je peux aller dans l'eau, je peux grimper là. Alors on va grimper là, pas de problème. Non, c'est pas un vrai labyrinthe, c'est une grotte normale, c'est bon. On peut monter là, ok. J'adore. C'est tellement cool. Ici, là. Hein. Chercher. Chercher quoi? J'ai cherché un sans ça. Ah, ici. Ça régale. Alors, gourdin. Ah, il y a la main derrière. Ah non, mais la main n'a rien à voir, je crois. On devrait quand même essayer. Ramasser argile. C'est bon ça? Là je peux pas grimper, je peux rien faire, c'est un cul-de-sac. Oh! C'est un cul-de-sac? C'est un cul-de-sac. Sûr? Sûr. Ok. Donc là on a vu, et par là. Non mais attendez, on se fout de moi ou quoi? Mais non. Donc là y'a rien là-haut. Permettez-moi d'en douter. Là! C'est pas fini les gars. C'est pas fini. C'est pas fini du tout. Ah ah, grappin, vous l'avez vu, très bien. Donc on pourra monter par là. Mais non, mais c'est là qu'on vient. What the fuck? Attendez, on vient de là. Je reviens à l'entrée, d'accord? Juste pour être sûr. Ah! Pardon! Pardon! J'ai eu si peur. Je suis navré. Voilà, donc l'entrée, c'est bon. Y'a rien d'autre de plus. Je suis navré pour cette scène. Incroyable. Bon, donc là on a tout vu. Par contre là-bas. Oh, le plongeon. C'est une blague? Ah voilà. Feuille bleue. Feuille bleue. Chercher. Non mais il y a rien sous l'eau, c'est bon. Non parce que je me suis dit s'il y a encore des passages sous l'eau, on n'a pas fini. Hein. Bon, manifestement il n'y a plus rien. Sauf que on a encore un endroit où envoyer le grappin. Juste ici. Voilà. Et là si on n'avait pas le grappin, comment on aurait fait? Je me le demande. Je suis censé aller où là? Parce que je vois rien là. Ok. Ah bah c'est ardoise. Je vois rien. Attendez, on va essayer d'allumer la lumière quand même. Ah. C'est un prank? Y'a rien? Mais non, c'est pas possible. À quoi ça sert le grappin ici? Ça sert forcément à quelque chose. Attends, là on peut grimper donc ça sert à rien. Là c'est de la convient donc ça sert à rien. Mais attendez, y'a rien dans cette grotte? C'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Y'a un truc qui nous échappe, messieurs, dames. On va regrimper, c'est que ça se passe là-haut. Y'a un truc qui nous échappe dans cette grotte. Je voyais ça comme un labyrinthe et finalement j'ai l'impression d'avoir tout vu, donc c'est bizarre ça. En bas on sait qu'il n'y a rien. Ça on peut pas casser. Oh mais attendez, on peut grimper là encore. Mais attendez, j'ai pas grimpé ici. Suis-je bête? Suis-je bête? Ah mais si. Si, on a bel et bien grimpé ici. Si, si, on a monté là. Bah oui, si, mais bien sûr. Je suis monté là, j'ai pas. Ah! Je suis monté là! Rien à voir! Ok! C'est bon, les gars. Allez, franchement, c'est bien fait. Hein. Là, je commençais à me perdre. Hein. Là, c'est un nouvel endroit ici. Absolument. Oh, des poissons! Ok. Feuilles vertes. Bon, les pauvres petites sardines. Qu'est-ce qu'on a là, là? Oh mince. Wesh. Non mais là,
Ah ouais, donc c'est un vrai labyrinthe là. Là c'est un vrai labyrinthe hein. Oh, la main d'Aïcha. Je vais passer à côté. Ok, on a la main d'Aïcha. Alors désolé si on voit pas grand chose hein, je vous rassure, moi non plus je vois rien. Ok, là je peux pas. Ah si, je peux passer en dessous. Ok. Ouais, à mon avis ça doit rejoindre d'autres grottes, non? Ouah, c'est gigantesque. Oh. Ah ouais. Ah ouais, non mais les gars, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est incroyable. Je suis bouche bée. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Pour être honnête, il y a trop de trucs à voir. Jamais de la vie, on verra tout. Oh! On a trouvé la peinture rupestre. Grotte de Chaillou terminée, let's go. On a quand même réussi à le faire. Mais je suis impressionné. Ça va où là? Mais stop les gars. Ah! Oh, là on pouvait pas monter, ok. On était déjà là. Non? On est... Ouais, on est au début de la grotte là. On est rentré par là au tout début. Impressionnant. Impressionnant. Attends. On va peut-être se calmer. Alors du coup, on a fini la grotte. Mais on n'a pas tout vu. Donc je suis assez curieux. Donc on va remonter. Ensuite ça se passe. Ah oui, donc après il faut encore remonter. Tout à fait, absolument. C'est incroyable hein. Je n'ai pas les mots. Donc là on descend ici bien sûr. Voilà. Ici. Et donc là je suis parti à gauche. Sachant qu'on n'avait pas tout vu à gauche. Et si je passe par là-bas? Si je passe par là, eh bien je vois rien en fait. Ouais, je pense qu'on peut pas y aller. Ça doit être de l'autre côté. De l'autre côté de la grotte. Alors je vais retourner là-bas du coup. Bah en fait finalement on aura réussi à tout voir hein, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand tu es là la première fois. Où c'est que je suis là? Ah, je suis pas du tout là où je pensais être. Ah, faut que j'aille là. Ok, ouais c'est un labyrinthe mais... Mais quand même pas non plus abusé heureusement. Ok. Ça va. C'est ouf hein. C'est ouf. Merde. Alors là je viens de gaspiller de la... On se parle, on a assez de peau de bête. Puis à chaque fois qu'on en récupère de toute façon mais... Oh. Ah oui non mais ça on a... Je suis con, c'est ce qu'on a allumé tout à l'heure. Bah y'a rien d'autre à voir en fait, c'est bon. Ouais parce que là c'est là où on monte. Mais non mais y'a rien d'autre à voir. Ah ouais. Incroyable. Eh ben en fait on avait tout vu. Ah bah c'est cool, bah je préfère vérifier quand même, au moins on a clean. Eh, je préfère faire un truc propre, comme ça tout le monde est content. Et là je peux vous dire que je suis très satisfait. Donc là juste pour confirmer la grotte, statue explorée. Voilà, c'est magnifique. Eh bien les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cet épisode. J'adore ce jeu. Je me régale. J'espère vous... faire tout retranscrire de la même façon, vous repartager tout ça. Et vraiment, si vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas, le petit like, le petit commentaire également qui fait plaisir. Pourquoi je peux pas passer là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Voilà, et là on ressort tout simplement là. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. On se retrouve très vite pour la suite de notre incroyable aventure. C'était Mkolo, plein de bisous, et ciao tout le monde. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur.